C'est un petit peu trop tôt là pour être sûr, mais le départ est quand même un peu moyen. Ouais, le maintien semble à leur portée, mais enfin ça manque quand même d'ambition. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un drap pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. C'est un milieu à 3 hein, qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Allez, il faut centrer. Neymar. Draxler. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct. Gareth Bale le Gallois devenu une référence. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Allez, le ballon en retrait. But de Neymar. Ouais, la frappe elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance est quasiment imparable. C'est le PSG qui mène. Benzema. Karim Benzema qui au fur et à mesure de sa carrière continue quand même de s'améliorer. C'est vrai qu'il a énormément progressé, c'est sûr que disputer la C1 tous les ans ça aide, mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau de jeu. Il m'impressionne tous les ans en faisant preuve de régularité dans ses performances. Marco Asensio. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Attention à la frappe. Il repousse le tir. Ouais, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Modric qui va chercher Sergio Ramos. Ben, ils sont passés tout près du but sur ce corner. C'était bien frappé et la défense adverse peut souffler. La passe est interceptée. Isco. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Attention à Neymar, attention à Neymar. Oh, quel réflexe, oh, quelle parade. Magnifique. Et c'était pas évident à cette distance. Attention, ce corner de Neymar. Marquinhos choisit la frappe. Ah, il l'avait juste au-dessus de sa barre. Bien joué le gardien du bout des doigts. Ah, il part bien ce corner de Di Maria. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Kroos. Marcelo. Toni Kroos. On fait tourner. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. La frappe. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Donc Gareth Bale au second poteau. Kurzawa, le dégagement. À rentrer pour un coéquipier. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. Et tout est à refaire maintenant avec ce but égalisateur. Allez, tout est à refaire, un but partout. Marco Verratti. Mbappé. Verratti. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu, dommage. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Un touche pour le Real Madrid. Neymar. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Ballon pour Benzema sur l'aile. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Le PSG qui va profiter de cet espace hein, sur les ailes. Neymar. Oh, c'est dévié.
Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Le tir. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. André Di Maria, la frappe. Ballon bien capté par Courtois. Gareth Bale qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui maintenant s'est imposé plutôt devant. Hein. Oui, je l'ai vu jouer latéral gauche, même à Tottenham. Et puis, il y a des joueurs qui reculent. Lui, il avance. Et aujourd'hui, c'est un vrai attaquant. Et en plus, au Real Madrid. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Neymar qui marque. Oh, c'est bien joué de la part du Brésilien. Ouais, on sait que c'est le joueur qui crée les occasions et qui les conclut aussi. Et c'est son deuxième but, son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? C'est le Real Madrid qui va mener au score. Raphaël Varane. Le long de la ligne de touche. Gareth Bale. Isco, c'est un milieu créatif, comme on les aime en Espagne, presque à l'ancienne. Il est polyvalent, il a beaucoup d'abattage sur le terrain. Un petit peu en retrait de la ligne d'attaque, mais bon, c'est un joueur dangereux, il mériterait d'être plus utilisé. Gareth Bale, Benzema, peut-être l'égalisation. Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel un peu trop tôt. Kurzawa, Mbappé, Cavani, Sergio Ramos. Qui met le pied sur le ballon. Di Maria sur le côté. Draxler. Neymar. Il cherche Kylian Mbappé par-dessus. Marco Verratti. Isco. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Isco, je pense qu'il peut faire quelque chose. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. Ouais, carton jaune. Carton jaune estime l'arbitre. Il est pour Thiago Silva. C'est repris. Ah oui, le bon ballon là. Le gardien sauvé par son poteau. Oh, le pénalty. Pénalty pour le Real Madrid, sifflé à l'instant par l'arbitre. Ouais, faute. Faute, mais pas de carton. Avertissement verbal tout au plus. Oh, c'est arrêté. Ouais, très bien joué, il a fait le bon choix. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi de la seconde période. C'est pour l'instant le Paris Saint-Germain qui est devant. Ouais, impeccable ce tacle. Ce sera une touche. Raphaël Varane. David Ceballos. Modric. Ah non, mauvais contrôle là. Un vilain passe directement à l'adversaire. Casemiro. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real.
Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Centre pour Neymar. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Qu'avez-vous pensé de la première période de Neymar ? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Bien, Draxler. Neymar. Thomas Meunier. Ouais, faute. L'arbitre estime que le joueur madrilène a commis une faute. Bon, le carton jaune. Va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Dani Ceballos. Les Parisiens qui récupèrent. Marco Verratti sur l'aile avec Di Maria. Mbappé, Mbappé en bonne position. Et Mbappé, oh, le but signé qui est Mbappé. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Karim Benzema. Benzema. Casemiro. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Oh oui, encore une bonne passe. Luka Modric. Karim Benzema. Allez, le tir de Karim Benzema. Corner pour le Real Madrid. Allez, dans la surface, le Bale. Ouais, une tête qui permet au gardien de s'illustrer sans trop de problèmes. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Draxler. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Gareth Bale, un ballon perdu. Ouais, faute du joueur du Real. Ouais, c'est le jaune. Chouille accélère ce carton. Hein. Allez, on va jouer un long ballon. C'est dégagé par Sergio Ramos. Gareth Bale. Ouais, on passe par les côtés. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Neymar, Cavani. Ouais, l'interception de Carvajal. Benzema. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Ouais, la passe en profondeur, attention. Le PSG qui obtient donc un corner. Le match de Neymar, les statistiques personnelles du Brésilien. Il est bon aujourd'hui, Pierre. Ça cadre bien, non ? Enfin, bon, on sent en confiance, donc à partir de là, il tente beaucoup et en plus avec une certaine réussite, on l'a vu. Casemiro. Sadio Ramos. Bale. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Benzema. Corner. C'est un corner pour le Real. Modric qui va. Bale. Ah oui, l'arrêt réflexe du gardien, magnifique. Ouais, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Ouais, défenseur qui est passé. Diaby. Ballon donné sur le côté pour Marcelo. Allez, il peut y aller seul, Gareth Bale, mais il a également du soutien autour de lui. Luka Modric. Casemiro. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau, mais ça termine dedans.
Mais ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer. Ah, t'as vu comme c'est cruel parfois le fat ball. Je vous rappelle le score, hein, 3-2 maintenant. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Lucas Vasquez. Raphaël Varane. Casemiro. Gareth Bale. Un supporter qui donne de la voix. C'est vrai qu'on est plus très loin de la fin du match. Oui, on a l'air encore d'y croire et c'est bien. Hein. On a c'est un adversaire qui récupère cette passe. Allez, continue. Le ballon au pied. Ces cinq dernières minutes qui risquent d'être très longues parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation. Attention, parce que là, ça peut sentir la fin. Hein. Oh, la belle occasion qui manque. Rien de dramatique, mais c'est quand même dommage. C'est dommage parce qu'un but les mettrait à l'abri quand même. Neymar. Kylian Mbappé. Il lève la tête, il va centrer. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Real Madrid qui va pousser pour égaliser, c'est évident. Diaby. Neymar. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. Et au centre peut-être. Neymar. Et le gardien qui est battu. Et c'est donc un triplé assez magnifique. Hein. Il se souviendra de ce match. Le score qui est maintenant de 4-2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. Marcelo. Modric. Dani, allez, ça doit aller au fond, ça. Cavani. C'est terminé. Ce match se termine donc avec cette victoire du Paris Saint-Germain. Vous tirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de Neymar? Ah bah s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été le même match. Il a quand même mis 3 buts. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Allez, le ballon en retrait. But de Neymar. En retrait pour un coéquipier. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Neymar. Neymar qui marque. Oh, c'est bien joué de la part du Brésilien. Ouais, on sait que c'est le joueur qui crée les occasions et qui les conclut aussi. Ouais, faute. L'arbitre estime que le joueur madrilène a commis une faute. Oh, le carton jaune. Va falloir qu'il se tienne à carte. Mbappé en bonne position. Il y a Mbappé. Oh, le but signé qui est Mbappé. Ouais, faute. Hein. Faute du joueur du Real. Ouais, c'est le jaune. Chouïa sévère ce carton. Hein. Luka Modric. Casemiro. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Oh, le centre peut-être. Neymar. Et le gardien qui est battu. Et c'est donc un triplé assez magnifique. Hein. Il se souviendra de ce match.